Bonjour à tous et bienvenue, je suis MTG de Normandie et aujourd'hui je fais cette vidéo car nous sommes le 24 mars 2013 et User entered your channel. Aujourd'hui donc c'est mon anniversaire, Rejiji. Donc je suis en train d'enregistrer la vidéo, l'intro de la vidéo donc pour mon anniversaire. Ah ok. Une nouvelle fois. Finalement j'ai fait je pars rien. D'accord, ok. Bah, tu peux écouter. Donc voilà, donc ça commence bien. Donc en attendant donc la connexion de TB Killer, vu que c'est lui qui a organisé la petite surprise. Donc voilà. Donc j'ai décidé de vous faire une petite présentation de mon manoir, ainsi que vous parler du prochain projet vidéo. Donc que j'ai en tête. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, donc c'est le manoir, enfin c'est une reproduction du manoir de Ciel Phantom Hive dans le manga Black Butler. Donc si vous ne connaissez pas ce manga, je vous le conseille, il est absolument génial. L'intérieur par contre n'a rien à voir avec le manga, ce sont des idées de décoration que j'ai eues lorsqu'on était encore en version alpha. Donc le manoir date de la version alpha et je l'ai récupéré en fait depuis notre ancien serveur. J'ai réussi à le récupérer. Donc certains éléments sont à l'envers, mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc ici c'est une exposition de buffet que j'avais fait avec donc Minecraft Alpha. Il y aurait d'autres idées à exploiter avec les nouvelles versions de Minecraft, mais bon, ça je verrai ça plus tard. Ici on a un petit espace coin vert, assez sympa. Le manoir est assez grand, hein, donc. Ici, on a notre petit espace salon, assez sympa. J'ai toujours pas remplacé la laine grise par de la laine rouge, mais normalement, c'est censé être rouge. Ici, on a... hop. Zut. C'est pas vrai. Je vais pas y arriver. Bon, ici, on a un... On a une salle de bain. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à ouvrir la porte. Je lag. Ici, on a... Hop. On a une bibliothèque avec ma chambre avec le lit en baldaquin. Voilà, donc la tête est censée être rouge aussi. Donc il faut que je modifie tout ça hors caméra. Donc ici, c'est là où j'ai eu le moins d'idées de déco. Donc ici, j'ai en fait une salle de miroir en gros avec des bibliothèques. Ici, j'ai un grand salon. Je vais passer à travers si j'ai une boussole. J'ai une boussole. Hop, voilà. Oula, j'ai eu un gros freeze, désolé. Comment? Voilà, donc par là il y a d'autres petites chambres, rien d'intéressant. Ici on a une salle de danse, où j'ai ce coup-ci j'avais eu le temps de remplacer la laine grise par de la laine rouge. Par ici on a une salle de réunion, voilà, une salle à manger, salle de réunion, c'est un peu comme on veut. Par là j'ai évidemment la cuisine. Voilà, donc ce coup-ci, personne n'a mangé le gâteau. The cake is a lie. Donc voilà. Comment? Donc voilà. Il y a des water. Alors, ça a été fait en version vanilla, hein, évidemment. Avant, comment? Donc, je sais que maintenant, on pourrait l'améliorer avec les chaudrons, les trucs comme ça. Mais là, voilà, j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Voilà pour Manoir. Alors maintenant, je voulais vous parler, c'est du prochain projet vidéo que j'ai. Donc je sais que la plupart d'entre vous aimeraient, se sont connectés au serveur, mais se sont retrouvés coincés lors de l'inscription sur le serveur en fait, avec la commande Cache Register. J'ai vu que vous étiez nombreux à ne pas savoir comment ça fonctionnait. Donc j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le serveur en joueur normal, afin de vous montrer toutes les commandes qu'il est possible de faire sur le serveur. Donc, en tant que joueur normal. Donc, notamment, comment protéger ses maisons avec résidence, accéder à son monde personnel. Voilà. Donc, tout ça sera fait dans une prochaine série Minecraft. Je vous montrerai toutes les commandes qu'il est possible de faire dans Minecraft. Comment utiliser le système économique du serveur. Voilà. Donc, je vais couper à présent cette vidéo et nous nous retrouvons tout à l'heure pour la surprise donc que les joueurs m'ont réservée pour mon anniversaire. On verra bien. Allez, à tout de suite. En fait, TB, bah, tu actives ton micro seulement quand t'as besoin de parler, quoi, en gros. S'il te plaît. C'est possible. Donc,
Voilà, donc nous nous retrouvons donc sur le spawn avec le superbe Bleach que a reproduit Guin. Et donc on est parti. Donc TB Killer est connecté. Alors il doit momentanément couper son micro de temps en temps, mais bon. Donc TB, tu peux nous téléporter si tu veux. Ouais. Voilà Allô? mec, c'est bon mec, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, est-ce que tu peux nous téléporter, s'il te plaît? Ça marche, je vous TP. Voilà. Ok, bon, ça lag un petit peu. Donc, on est de nuit, c'est normal? Oui, c'est normal. Ok. Donc là, on connecte les. ouais, c'est normal que ça explose pas. Ah ouais, si, d'accord, ok. Il y en a qu'une qui a explosé sur toutes, mais ça fait rien. Non, je sais, mais regarde. C'est parce que j'ai pas lancé la boucle. Ouais, mais je les vois pas exploser moi. Ah, mais si, j'en vois quelques-unes exploser. D'accord, ok. Ouais, c'est super sympa. Bah ben, au moins en plus on avait pas celui de des comment des 3 ans du serveur Minecraft, donc bon bah ben, on a celui de mes 22 ans quoi. Et t'en as 26 par bloc, plus les deux un peu spéciaux que j'ai rajoutés. Franchement, c'est super bien fait. Par contre, c'est. Ouais, non, par contre, c'est pas toutes les mêmes, si, de feu d'artifice. Non, c'est pas les mêmes Ok. de feu d'artifice. Donc désolé, c'était assez court. Je pensais que ce serait plus Non, long. mais c'est bon. C'est bien, c'est nickel, ok. Bon, bah écoute, je te remercie. Puis bon, bah voilà. Bon, donc, j'espère que vous. Comment? Je commencerai donc la série de vidéos. Sur le serveur, donc je pense pour les vacances d'avril. Sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Suivez-moi plutôt sur ma chaîne Dailymotion que sur ma chaîne YouTube. Et puis j'espère vous voir nombreux sur le serveur. Voilà, donc venez, il y a une superbe ambiance. Et voilà, et sur ce, donc je vous dis à bientôt.